Bonjour, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Théo Vandersbourg pour qu'il nous raconte son histoire. Bonjour, monsieur Théo. Racontez-moi votre histoire. Je m'appelle Théo Vandersbourg, je suis peintre et théoricien d'origine hollandaise. J'ai fréquenté pendant quelques temps l'école d'art dramatique de Kato Esser à Amsterdam et commencé à peindre très jeune. En 1912, après avoir exercé en tant que critique d'art, j'entame en 1913 des recherches sur les liens unissant peinture et architecture. J'ai également accompli mon service militaire à Utrecht entre 1914 et 1916, où j'ai rencontré le poète Anthony Koch. En 1917, je m'installe à Leyde et j'expérimente de plus en plus l'abstraction dans mes recherches plastiques, même si les thèmes demeurent ceux de la figuration. En 1917, avec Mondrian, Van der Leyck, Van't Hoff, Lussard, Koch, Hood et nous créons le groupe de style et la revue du même nom qui diffuse les idées du groupe. En tant que manager du mouvement, j'entreprends de nombreux voyages pour propager nos idées, notamment en France, en Belgique, en Italie, en Allemagne, où j'ai rencontré mon ami Kurt Schwitters. En 1922, je me rends à Weimar pour rencontrer Gropius et essayer d'obtenir un poste de professeur au Bauhaus, mais cela s'avère finalement être un échec. À l'époque, j'avoue que cela m'a beaucoup affecté, mais je continue à réfléchir à une autre solution. C'est ainsi que j'ai décidé d'ouvrir durant la même année un cours de style à Weimar. Alors, ce qui est intéressant, fascinant dans cette histoire, c'est que les élèves du Bauhaus de l'époque seront largement influencés par mes cours et la pensée de style. Je profite alors de ce séjour pour participer à un congrès constructiviste à Weimar, où j'ai eu l'opportunité de contribuer à la publication de la revue Dadaïste Mécano et d'écrire dans la revue Material für Elementar Gestaltung. En 1923, je décide de m'installer à Paris. Et cette année-là, j'expose à la galerie Les Formes Modernes les projets de la maison Rosenberg, de la maison d'artiste ainsi que de la maison particulière que j'ai conçue en collaboration avec Cornelis van Esteren, également avec d'autres grands créateurs du groupe de style tels que Hood, Rietveld, Hussard, van Esteren et aussi Mies van der Rohe. L'année suivante, en 1924, je publie dans De Stijl mon manifeste de l'architecture. Dès 1925, je décide d'abandonner les principes rigoureux imposés par Mondrian en essayant d'introduire la diagonale dans mes compositions pour aboutir à ce que j'aime appeler l'élémentarisme. Ce qui va me mettre en désaccord avec Mondrian qui lui voulait conserver ses principes géométriques. Il finira donc par quitter le groupe. Ce fut une période assez difficile. Je me souviens qu'en 1915, j'avais publié un article qui faisait justement l'éloge de Mondrian et de sa peinture, ce qui avait favorisé notre rencontre en 1916. Mais après cette malheureuse histoire, en septembre 1926, j'entrais pour la première fois en rapport direct avec Lobet par l'entremise de M. A. Ainsi, Messieurs Horn et Hetz me firent venir à Strasbourg pour faire la décoration de l'aubette que j'effectuais avec Hans Arp et sa femme Sophie Teber Arp. Les travaux se sont achevés en 1928. Mais après cette malheureuse histoire, en septembre 1926, j'entrais pour la première fois en rapport direct avec l'aubette par l'entremise de M. Arp. Ainsi, M. Horn et Hetz me firent venir à Strasbourg pour faire la décoration de l'aubette que j'effectuais avec Hans Arp et sa femme Sophie Teber Arp. Les travaux se sont achevés en 1928. À l'heure où je vous parle, j'ai achevé la construction de ma maison atelier dont j'avais dessiné les plans et entamé la construction en 1929, c'est-à-dire l'année dernière. Et elle se trouve à Meudon, dans la banlieue ouest de Paris, où je vis actuellement avec mon épouse Nelly.